L'objectif de la vidéo est de présenter la fonction conditionnelle NBC. Alors, ici, j'ai un devis d'un entrepreneur d'aménagement paysager avec différentes lignes dans mon devis qui correspondent à des postes différents. Et dans ce petit tableau ici, je voudrais savoir combien de lignes de ce devis correspondent aux fournitures, à la main-d'œuvre et au matériel. Alors, ça veut dire que je vais vouloir compter. Par exemple pour les fournitures, combien de fois j'ai le mot fourniture dans cette colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a priori. Alors il y a une fonction qui sait faire ça. Elle s'appelle NBC. Elle porte bien son nom, elle commence par NB. Donc chaque fois qu'on veut compter dans le tableur, la fonction commence par NB. Et on va aller voir dans l'assistant des fonctions comment elle fonctionne. Donc là, je vais cliquer sur FX après mettre mis dans la case E24. Et je peux chercher ici le nom de la fonction si je la connais. Elle est ici. Ou si je connais sa catégorie, je peux directement aller la chercher. Statistique. Je prends la fonction. Alors, soit je double-clique, soit je fais suivant. Et il me demande deux choses, une plage et un critère. Donc c'est assez simple. La plage, c'est l'endroit où je veux aller compter le nombre de fois que je trouve le critère. Donc ici, ça va être cette colonne-là. Donc je fais le petit réduire. Je sélectionne la colonne. Je rappuie sur réduire. Et mon critère, eh bien, ça va être les fournitures pour cette première ligne. Alors, je pourrais aussi marquer fourniture avec des guillemets. Ça marcherait pareil, en prenant bien garde de mettre le F majuscule et le S, bien sûr, au bout. Il m'a bien trouvé 15 lignes. Alors, ensuite, je peux essayer de recopier ça pour trouver la main-d'œuvre. Alors, il me trouve 0. Donc là, ça ne va pas, puisque pour la main-d'œuvre, j'ai bien 1, 2 lignes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va bien chercher. F23, c'est-à-dire la main-d'œuvre, mais dans la colonne ici du descriptif. Donc ça, ça ne va pas. Je reviens dans la première colonne. Alors il avait mis des dollars automatiquement pour les numéros, le 2 et le 19, mais il fallait ici, pour pouvoir recopier dans la ligne, bloquer les lettres. Donc je vais me mettre en A2. Je fais F4 sur mon clavier. Je me mets en A19. Je fais F4 sur mon clavier. Alors je pourrais laisser $A, $2, hein, mais là en l'occurrence, c'est que le A que je veux fixer. Donc je peux laisser $A2, $A19. Et surtout, je ne touche pas au E23, puisque le E23 va devenir F23 et c'est exactement ce que je veux qu'il fasse. Si je réessaye de recopier, cette fois-ci, ça marche. Et puis ici en bout de ligne, je peux refaire le total des lignes. De mon, de mon devis en faisant somme. Alors par défaut, il me prend E24G24. E24F24G24, donc c'est très bien. J'aurais pu aussi resélectionner hein, si c'était pas les bonnes. Là, je fais entrer. Et voilà.